Hey guys, salut les amis de Reka Business Officiel. C'est un réel plaisir pour nous de nous présenter encore une fois de plus devant vous pour notre recette du jour. Mais avant tout, j'aimerais vous dire si c'est la première fois de tomber sur notre vidéo, nous vous souhaitons le bienvenu ou la bienvenue. You are really welcome. Voilà notre recette du jour, c'est le poisson malangwa, comme vous pouvez bien le voir, aux champignons. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer ce dont nous aurons besoin pour réaliser notre recette. Voilà, on aura besoin du poisson, le malangwa, que j'aime beaucoup. Voilà, on aura besoin de champignons. Voilà, ce sont les jeunes champignons que j'aime aussi beaucoup. On aura besoin de l'oignon, on aura besoin du poivron. Voilà, moi j'ai utilisé le vert, mais sinon vous pouvez utiliser la couleur de votre choix. Si vous voulez le jaune ou le rouge, ça ne dépend que de vous. On aura besoin du red pepper, le piment rouge. Ça ne pique pas. J'aime beaucoup quand je fais le repas comme celui de poisson. J'aime beaucoup utiliser. Mais sinon, vous pouvez utiliser le vert. Si c'est ce que vous désirez, on aura besoin d'un citron, ok. On aura besoin d'une gousse d'ail, on aura besoin de sel, on aura besoin de tomates, ok. J'aime bien les tomates fraîches. Dites-moi ce que vous aimez en cuisine, mais en tout cas, moi j'aime bien les tomates fraîches. Mais si vous voulez une sauce bien lourde, vous pouvez y ajouter un peu de tomates concentrées. Ça fera toujours du bien. On aura besoin de céleri. J'aime bien le tige de céleri. Mais si vous n'aimez pas, ok, vous pouvez juste utiliser le feuille. Il n'y a pas de problème. Voilà, on aura besoin de l'huile. Voilà, ça c'est l'huile végétale sans cholestérol. Pourquoi je précise que c'est sans cholestérol? Voilà les amis, en cuisine, il n'est pas seulement question de faire le mélange, ok, des épices pour avoir un goût agréable, mais il faut faire le choix select, ok, pour préserver à notre santé, tout en sachant que nous devons éviter en cuisine le trop. Il faut éviter trop de sucre, il faut éviter trop d'huile, il faut éviter trop de sel. Ça, c'est très important. Voilà, Eureka Business. Ici, nous disons, dans chaque situation de la vie, dans chaque circonstance de la vie, il y a toujours un business derrière. Quant à vous, d'avoir le flair, ok, d'avoir de l'imagination, de savoir où se pencher pour avoir votre part du gâteau. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour nous, ok, de vous faire cette vidéo de présentation de ce que nous aurons besoin pour réaliser notre recette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais on ne peut pas finir cette vidéo sans pour autant donner notre pensée du jour. Ok, nous disons aujourd'hui, que nous devons le savoir que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui connaît ce que vous ne connaissez pas. Ce qui veut dire que dans la vie, on apprend toujours des autres. Ok, il y a toujours quelque chose à apprendre des autres et on a toujours quelque chose à apprendre aux autres. Voilà. Donc, nous nous présentons devant vous, pas parce que vous ne savez pas faire ce que nous faisons, mais seulement parce que nous voulons partager ce que nous savons faire avec vous. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de nous présenter devant vous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas de mettre une pouce, ok, de liker, de partager, pourquoi pas de commenter et de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos numéros. Quant à moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo et on se retrouve après pour la suite de notre recette.
Je vous dis ainsi, bye bye.